Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulations littéraires. Aujourd'hui, je vous parle de mes 4 dernières lectures. Dedans, vous allez trouver un coup de cœur, une belle surprise, petite déception et un livre qui m'a beaucoup beaucoup marqué. C'est parti. Pour commencer, je voudrais vous parler de Eleanor and Park, écrit par Rainbow Rowell et publié chez Pocket Jeunesse. Alors, autant vous le dire tout de suite, ça a été un énorme 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 coup de cœur. On va suivre Eleanor and Park. Eleanor est nouvelle, elle est rousse, elle est ronde. Elle est nouvelle dans un lycée et elle va arriver, personne ne veut d'elle, personne ne veut lui parler et tout le monde se fout d'elle. Ça va commencer dans un bus pour aller tout simplement au lycée et personne ne veut qu'elle s'assoie à côté d'elle. Finalement, Park, par énervement, par exaspération, va lui laisser la place à côté de lui. Et à partir de ce moment-là, ils vont toujours faire les trajets jusqu'au lycée ensemble, l'un à côté de l'autre. À partir de là va se créer une certaine relation entre eux, mais qui va prendre beaucoup de temps à se mettre en place parce que Park à la base ne veut pas du tout parler avec Eleanor. Il la trouve trop voyante, trop à se faire remarquer avec ses vêtements qui sont récupérés d'on ne sait où, sa façon de se coiffer. Enfin, elle se fait trop remarquer alors que lui est quelqu'un qui recherche beaucoup à se faire oublier. Donc du coup c'est à la base... ils ont du mal à se rapprocher. Mais petit à petit, Eleanor va avoir tendance à loucher sur ses comics qu'il lit pendant les trajets. Et petit à petit, il va faire exprès de lire plus lentement et de la laisser lire. Et il va même commencer à lui prêter ses comics en dehors du bus. Et c'est comme ça qu'ils vont construire leur relation vraiment petit à petit, étape par étape. Il n'y a rien de trop, il n'y a rien de pas assez. C'est vraiment une relation qui se construit vraiment petit à petit. Jusqu'au jour où ils vont tous les deux se rendre compte qu'ils ont de vrais sentiments l'un envers l'autre. Mais tout ça n'est pas si évident que ça, puisque dans la famille d'Eleanor, elle a un beau-père détestable, absolument horrible, qui frappe sa mère, qui fait peur pendant tout le bouquin. On est tendu face à lui, c'est terrible, on a peur de lui alors qu'on est derrière le bouquin et qu'on sait qu'il ne nous approchera jamais. C'est assez terrible, mais l'auteur a vraiment su nous... instiller cette tension quant au beau-père d'Eleanor. Donc elle n'a pas une vie facile chez elle, lui ça va, mais il a un peu un petit problème père-fils, mais bon, il va s'en sortir avec ça quand même. Donc c'est avec un contexte vraiment pas évident que les deux vont apprendre à se connaître et apprendre surtout à tomber amoureux l'un envers l'autre. Et ils ont une relation juste magnifique, super belle, super mignonne. Absolument, elle n'est pas parfaite parce que bien sûr ils vont des fois pas s'entendre, pas se comprendre, mais voilà, c'est une relation trop mignonne et que j'ai absolument adoré suivre. Donc arrivé aux 100 dernières pages, vous n'allez absolument plus pouvoir lâcher ce livre. Il y a une espèce de tension, vous voulez savoir la suite, mais à la fois vous avez tellement peur de ce qui va arriver, vous sentez que quelque chose va exploser et vous en avez juste tellement peur. C'était vraiment une sensation terrible de lecteur et une fois qu'on arrive à la fin, on sent toute cette tension partir d'un coup, ça fait son effet. C'est vraiment un livre qui ne laisse absolument pas indifférent et que j'ai absolument adoré. Eleanor and Park sont trop mignons, mais ils ont leur caractère, qu'on apprécie ou qu'on apprécie moins, mais non, on peut que trouver leur relation trop mignonne malgré les erreurs ou les déboires qu'ils vont avoir. C'est vraiment une très belle relation. En plus, ce qui est assez amusant, c'est que ça se passe en 1986, donc pas du tout à notre époque. C'est d'autres comics, d'autres musiques, etc. Et c'est sympa d'avoir un décalage là-dessus, d'avoir un décalage d'époque. Ça montre quand même que les relations peuvent être les mêmes malgré les différences de génération. Mais j'ai bien aimé le fait que ce soit en 1986 et pas du tout de nos jours. En tout cas, c'était une excellente lecture et un énorme coup de cœur. La seconde lecture, il s'agit de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, publié chez Lumen. Alors là, on change totalement. C'est plutôt de la fantasy un peu Harry Potter, mais pas trop. Donc on va retrouver Sophie qui s'avère être une elfe alors qu'elle a toujours vécu chez les humains et qu'elle a eu une famille humaine, une vie humaine, etc. Même si elle se rendait compte qu'elle avait des petites choses en plus, elle ne pensait absolument pas être autre chose qu'une humaine.
Et non, elle est une elfe, et une elfe en plus très douée, notamment pour la télépathie. À partir du moment où elle va le découvrir, elle va partir à l'école, un peu comme Harry Potter. Mais les points communs entre Harry Potter et Gardien des Cités Perdues s'arrêtent là, tout de suite. Elle va aller à l'école, mais une école bien différente de Poudlard. Elle va se faire des amis, des ennemis. Elle va vivre de nombreuses aventures. Mais c'est surtout, elle va essayer de trouver sa place dans un monde qui jusque-là ne la connaissait pas, ne voulait pas spécialement d'elle. Et voilà, c'est se faire sa place alors qu'on est un peu une bête de foire, parce qu'elle est vraiment beaucoup trop douée pour la télépathie, pour être réelle presque. Elle va aussi avoir de nombreuses aventures, parce que finalement elle va se retrouver orpheline dans ce monde, même si elle avait des parents humains, elle va se retrouver orpheline chez les elfes, puisqu'elle ne veut plus vivre avec ses parents humains. Il va falloir lui trouver une nouvelle famille. C'est vraiment une quête de sa place dans cette société des elfes, cette société un peu trop parfaite par moment, et c'est très intéressant. Le caractère de l'héroïne est bien trempé, mais pas trop. Elle a vraiment plusieurs facettes qui sont vraiment présentées dans le livre, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Ça se lit très vite, il y a de nombreuses péripéties, on ne s'arrête pas, et arrivé à la fin, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Donc on m'avait vraiment vendu cette série comme étant du Harry Potter un peu en copier. Alors c'est vrai, on a cette impression un peu à la Harry Potter, mais ça s'arrête tellement vite pour être quelque chose de totalement différent que vraiment ça ne pouvait pas être une déception, et c'était vraiment une très belle surprise pour moi. Le troisième livre, il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon, publié chez Bayard. Donc dans cette histoire, on va retrouver Madeline qui est une enfant bulle et qui n'est jamais sortie de chez elle depuis qu'elle est toute petite. C'est sa mère qui s'occupe d'elle, elle est médecin, et à part les livres, elle ne connaît vraiment rien du monde extérieur. Un jour, bien sûr, deux nouveaux voisins d'en face emménagent, et parmi eux, devinez quoi, il y a un beau garçon dont elle va tomber éperdument amoureuse forcément, et c'est là que ça commence. Bon, alors autant vous dire tout de suite les clichés, on avait un très haut niveau, et ça a un petit peu continué dans les clichés. Forcément, elle allait vouloir le rencontrer, donc elle le rencontre, elle va vouloir sortir, donc forcément on sait qu'elle va sortir un moment, que c'est dangereux pour elle, qu'elle va faire de la peine à sa mère. Vraiment, les 100 premières pages, 150 même, sont vraiment vraiment très clichés. Par contre, passé un petit moment, je veux pas vous le dire, je veux pas vous spoiler, là, le livre change totalement de ton. On découvre des choses complètement inattendues sur les personnages qu'on ne pensait vraiment pas voir. Et c'est à partir de ce moment-là que l'auteur m'a vraiment, vraiment surprise. Elle part sur totalement autre chose. Elle nous découvre une fin à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Les 100 dernières pages, c'est simple. On ne lâche plus le bouquin parce qu'on veut vraiment savoir jusqu'où on va aller. Et c'est quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas. Je pensais qu'on allait rester dans les clichés et qu'à la fin, soit elle allait... je vais peut-être pas vous le dire, je veux pas vous spoiler. Mais je pensais qu'elle allait aller dans des fins tout aussi clichés que le début. Et c'est pas du tout le cas, et c'est ce qui fait que finalement, c'est une petite déception ce livre, mais c'est aussi une bonne surprise pour les 100 dernières pages qui vraiment étaient absolument géniales. Du coup, j'ai trouvé la fin magnifique, géniale, parfaite. Je n'ai absolument rien à redire sur la fin du livre, sur les 100 dernières pages. Par contre, tout le début, on peut l'éviter en fait, finalement. Autant se faire spoiler tout le début et arriver aux 100 dernières pages et ne lire que ça. Finalement, c'est peut-être mieux, mais ces 100 dernières pages valent vraiment, vraiment, vraiment le coup. Voilà. Et la dernière, il s'agit de Tornade de Jennifer Brown, publié chez Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors ce livre, ça va être très très difficile de vous en parler parce que c'est un livre qui marque beaucoup, qui parle d'un sujet très très dur. Mais bon, je vais essayer de faire mon possible. Donc on va retrouver... Comment elle s'appelle ? Ah oui. On va retrouver Jersey qui vit avec sa mère, son beau-père et sa petite sœur Marine qui est fan du swing de la côte est. Et elle a une vie absolument normale d'adolescente jusqu'au jour où une tornade va dévaster la moitié de la ville et notamment sa maison. Elle va y perdre sa sœur et sa mère, et à partir de là, il va lui falloir à la fois
se battre pour vivre, se battre pour continuer de vivre malgré tout ça, mais aussi se battre pour avoir une vie acceptable. Parce qu'elle se retrouve sans parents, son beau-père ne veut pas forcément d'elle, donc ça ne va absolument pas être évident. Ce livre m'a fait ressentir des émotions terribles. J'ai été en colère comme pas possible contre un tas de personnages qui, vous verrez, sont absolument infâmes. J'ai été un peu en colère parfois contre Jersey qui prenait pas forcément les bonnes décisions, contre des personnes qui voulaient simplement l'aider. J'ai aussi été extrêmement triste, elle a une situation absolument déplorable. Elle a tout perdu, elle a absolument tout perdu, il ne lui reste que le sac de sa petite sœur, un rouge à lèvres de sa mère et un petit chat en porcelaine. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et il va lui falloir reconstruire sa vie. J'ai trouvé que ce livre représentait très bien ça, ce phénomène de reconstruction de soi, essayer d'aller plus loin que la catastrophe. Mais du coup, c'était un livre aussi qui nous remet bien en place, nous, et qui nous montre que quand on a tout perdu, bah, la vie continue, mais que c'est pas si évident que ça. Et ça nous fait relativiser sur toutes les choses qu'on a chez nous. Je veux dire, le jour où quelqu'un perd complètement toute sa maison avec toutes ses affaires, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que finalement on va réussir à se rattacher à de nouvelles choses, se faire de nouveaux souvenirs? C'est extrêmement dur comme lecture, je ne m'attendais pas à ça, faut le dire. Mais ça a été une lecture très très intéressante. Intense, mais intéressante. D'ailleurs, derrière, sur la quatrième, il y a un mot de page des libraires qui dit que la narration est si bien conçue qu'on le lit presque en apnée de façon compulsive, et c'est exactement ça ici. On a peur de ce qui va arriver à Jersey, parce qu'il lui arrive des choses assez terribles après tout ça, mais à la fois on a envie de savoir et c'est compulsif. Voilà, on va finir le livre parce qu'il faut qu'on arrive à la fin de ça. Et on retient son souffle parce qu'on a envie que ça finisse bien, mais on sait que ça ne peut pas vraiment finir bien parce que bah, elle a perdu sa mère et sa sœur, et sa mère et sa sœur ne reviendront jamais. Donc c'est une lecture assez terrible, mais très bien, que je recommande aux personnes qui savent ce qu'elles font, mais c'est une lecture vraiment très bien que je vous recommande vivement. Voilà, c'est tout pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu. 4 lectures, un petit peu de tout, un petit peu de tous les genres. J'ai encore plein de choses à lire, notamment le tome 2 de Gardien des Cités Perdues que je suis allée emprunter à la bibliothèque. Donc j'ai hâte de vous parler de tout ça, et voilà. Bye bye!